toujours. Ah! Oh, la tempête! Elle lui a ouvert le bras, tenez! Écarte-toi, bâtard, mets ça! Arrière! C'est pire que des démons, ces panthères noires! Écrase-lui dans la peau! Ah, je voudrais bien pouvoir faire ça! Cette panthère-là vaudra plus de 100 000 francs à Zanzibar! À bord. Il me semble que je t'avais pourtant averti. Mais il faut que j'atteigne en Bessie, capitaine. J'ai offert de payer, vous avez refusé. C'est parce qu'il me revient de te signaler à la police. C'est bon, file et que je ne t'envoie plus. Vous avez des ennuis, capitaine? Oh, c'est ce jeune fou qui voudra me forcer la main et se faire prendre à bord pour atteindre la brousse. Il croit que son père s'y est égaré. Comment s'appelle votre père? Le Grand, le professeur Le Grand. Qu'est-ce qu'il fait dans la brousse? Il y fait des études. Il est célèbre pour ses travaux sur les singes. Je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Voilà plus d'un an que je suis sans nouvelles. Je regrette de ne pouvoir rien faire. Hé, hey, n'approchez pas de cette cave. Vous voulez vous faire tuer? Faites passer un coup de chargement. Oui. Dites donc, Bardère, surveillez ces hommes. Oui, capitaine. Capitaine Fournier? Oui, pour vous servir. Miss Laura Lancy, si je ne me trompe. Oui. J'ai fait préparer votre cabine, mademoiselle. Capitaine, je désirerais payer le billet de ce jeune homme. Je regrette beaucoup, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de l'emmener pour qu'il se perde ensuite en pleine brousse. C'est trop grave. Maintenant, je vais vous montrer votre cabine. Je suis navrée. J'espère que vous aurez bientôt de bonnes nouvelles de votre père. Merci. C'est ici. Ça manque un peu de confort, mais c'est ce que nous avons de mieux. Ce sera très bien, capitaine. D'ailleurs, vous savez, je resterai surtout sur le pont. Oh, des carabines. Je vois que nous avons un chasseur de gros gibier à bord. C'est Gary Drake, l'explorateur. C'est le troisième voyage qu'il fait avec nous. Et à quelle heure est fixé le départ? Dès qu'on aura fini le chargement. Aurais-je le temps d'écrire une lettre? Oui, mais dépêchez-vous. Le porteur de courrier va partir bientôt. Merci, capitaine. Mon très cher frère, où j'espère trouver Spider Web. Justement, je viens d'apprendre que l'un de ces hommes, Gary Drake, est sur ce bateau. Mademoiselle, ce n'est pas de la méchanceté, c'est la curiosité qui me tient plus que la malice. Je vais porter votre lettre. Oh, ne vous donnez pas cette peine. Ce ne sera pas une grande peine, je vous assure. Non, merci. Indiquez-moi seulement où se trouve le porteur. Certainement. C'est ce grand nègre qui est là-bas. Merci. Tout est prêt, capitaine. Ça va bien. Veillez à parer et larguer les amarres. Bien, capitaine. Levez la passerelle. Thank you.
Juju, viens ici, donne-moi ça. Merci beaucoup. Mais de rien. Je suis heureux d'avoir pu rattraper le petit farceur à temps. Oh, je vous remercie encore, monsieur. Drake, Gary Drake, à votre service, mademoiselle. Je suis Laura Lancy. La jeune américaine qui est venue en Afrique pour chasser le lion. Oh, nous avons levé l'ancre. Oui. Plus d'escale avant la brousse. Désirable et des flots d'harmonie. Vous vous mettez en frais pour moi, monsieur Drake, mais vous semblez assez réservé en ce qui concerne votre propre voyage. Je n'en fais pourtant pas mystère. Une affaire à régler avec la patrouille des Ivoires. Qu'est-ce que c'est que la patrouille des Ivoires? Une section montée de la police africaine, instituée pour empêcher la contrebande de l'ivoire, mais surtout pour surveiller l'indigène. Vous voudrez bien m'excuser, mademoiselle Lancy, mais il faut maintenant que je regagne ma cabine. Vous feriez bien de rentrer aussi. Mais demain, monsieur Drake, il pourra répondre à mes questions sur les endroits où on chasse le lion. Le lion n'est pas mon fort. Je vous renseignerai cependant de mon mieux. Bonsoir, monsieur Drake. Bonsoir. Tout va bien en bas, Gary. Les patrons et l'homme de quart sont tous deux au gouvernail et ils sont armés. Enfume-les. Entendu. Et pas de quartier. Pas de maladie, surtout. Non, non. Je sais que Spider ne veut pas avoir d'histoire. Attention, ne faites pas peur. N'ayez pas peur. Qui est là? Qui est là? Tim Legrand. Il faut nous sauver d'ici tout de suite. Nous allons prendre un canot. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est tout de suite? Je n'en sais rien. Ce sont peut-être des pirates. Mais il faut fuir si nous ne voulons pas être tués. Tués? Il faut trouver des armes. Vous en avez, n'est-ce pas, Miss Lancy? Oui, mais elles sont dans la cale avec tout mon équipement. Ah, il faudra s'en passer alors. Venez. Eh bien, c'est fait. Tous sont plaqués. Nous n'aurons jamais le temps de prendre ce canot. Oh, Tim, qu'allons-nous faire? Nous allons nous crocher à une branche, la première qu'on va pouvoir saisir. Oui, essayons. Il faut absolument en finir. Allez. Ça y est. Tu as voulu nous refaire, hein? Tu l'as laissé filer. Triple idiot, tiens, voilà la corde qui la tenait. Elle a dû choisir par suiveur. Si les crocodiles la manquent, les fauves l'auront bien. Qu'on mette en marche. Il manœuvre pour se remettre dans le courant. On s'en est tout de même tiré. Tim, je crois que nous ferions mieux de nous éloigner d'ici rapidement. D'accord. Je vais vous aider. Vous entendez? Ce sont des lions. Qu'est-ce que nous allons faire?
Il n'y a pas de solution. Il faut que nous restions dans cet arbre. Choisissez votre branche. Au petit jour, nous partirons vers Ambézi. Je vous entends, Tim. Viens de pointer la liste, Gary. 50 fusils, 10 000 bandes de cartouches de recharge et 5 caisses de grenades à main. Joli coup de filet. Sans compter que c'est toujours ça que cette maudite patrouille n'aura pas pour nous tirer dessus. Qui vous est donc arrivé? Une avarie au bateau? Où est le capitaine? Ah! Rattrapez Snake, ne le laissez pas filer! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas trouvé son cheval? Non, il pique droit sur le quartier général de la patrouille en ce moment. J'ai bien peur que Spider ne tombe dessus. Il ferait mieux de se presser un peu pour la marchandise, Spider, qu'on puisse vivement se débiner. Patrouille au rapport, mon capitaine. Patrouille numéro 1, district du Kawi. Patrouille numéro 2, continuez l'enquête sur la tuerie d'éléphants au district d'Azaki. Patrouille numéro 3. Voilà, voilà, voilà. Apana, apana, voilà, voilà. Apana Mazudi, Wingitabo, Bozoas Karis Morty. Qu'est-ce qu'il dit, sergent? C'est du dialecte Kidonga, mon capitaine. On a tué un homme blanc. Eh bien, dis-lui de répéter en français, sergent. Je ne comprends pas le dialecte Kedonga. Tam Tam dit, lis mes jambes, lis tuer soldat blanc à côté de la rivière. Peut-être Kelly de la sixième, mon capitaine. Qui a fait le coup, les nègres? Pas peuple à moi, Buana. Partez tout de suite, sergent. Prenez les hommes nécessaires. Une escouade. Viens, mon capitaine. Patrouille 3 et 5. À mes ordres. En avant! Crois bien que j'entends le croiseur de la brousse. Sûrement Spider-Web. Et bouclez-la. Surtout pas un mot sur l'homme qu'on a descendu, si vous ne voulez pas d'ennui. Content de te revoir, Spider. En attendant... C'est ce que je vois. Où est passé le patrouilleur qui vous a surpris? Patrouilleur? Ta vanne ment pas, je l'ai vu. Ton cheval a laissé d'être... C'est la patrouille des Ivoires. Oh, Tim, ils vont les massacrer! Nous ne pouvons rien faire pour eux, hélas. Thank you.
près de moi, tous les autres à la poursuite du temps. Viens. Comment se trouve-t-elle là? J'ai dû la traîner jusqu'ici pour qu'il ne l'écrase pas. Qui nous attendrait si on avait manqué le seul endroit où on puisse traverser. Des sables mouvants! En arrière! En arrière! Je vous parie que ces soldats n'en reviennent pas encore de nous avoir vu passer là où ils ont failli s'enliser, eux. Hein? Qu'est-ce qu'un garçon de votre âge peut bien faire dans la brousse? Je suis à la recherche de mon père, sergent. Je suis très inquiet à son sujet, surtout depuis que ces bandits lui ont volé son tank. Qu'est-ce que votre père faisait dans la brousse avec un tank blindé? Eh bien, mon père est le professeur Legrand. Il observe les mœurs des singes. Le tank lui assurait un abri contre tous les dangers possibles et facilitait son travail. Comment vous sentez-vous, Miss Nancy? Vous me connaissez? Tim m'a mis au courant de ce qui s'était passé. Il paraît que vous connaissez ces hommes. Est-ce vrai? Je ne connais que l'un d'eux. Gary Drake. Il se trouvait avec moi comme passager à bord. Mais, d'après ce que j'ai surpris, le chef de la borne se nomme Spider-Web. Spider-Web? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans la brousse? Il s'occupe des diamants. Il faut croire que l'ivoire l'intéresse aussi, sergent, et le pillage d'un convoi serait assez son affaire. Les hommes n'ont pas pu rattraper le tank, les voilà qui reviennent, sergent! La chasse a été rude à ce que je vois. Et dangereuse, sergent. Nous sommes tombés dans les sables mouvants des marais de Lugambi. Les marais de Lugambi? Spider-Web sait choisir les bons endroits. Regarde où tu marches. Nous avons déjà eu assez d'ennuis sans risquer de perdre une caisse. Oh, je fais attention. J'ai pas oublié ce qui est arrivé à Bevan quand il a glissé. J'ai encore son clé dans les oreilles. Oui, j'aurais les raccords. Il fallait que je porte cette caisse tout seul. Non, ne perdons pas de temps. Repartons. Plus personne dedans, sergent. Vous avez entendu? Regardez. Le capitaine Fournier. Assassiné. Spider-Web et sa bande ont dû massacrer tout l'équipage. Voyez quand même à l'intérieur. Bon, venez. Pauvre petite Juju, je te comprends bien, va. Le jour viendra des règlements de compte. Voyez, sergent a trouvé Juju. Où était-il donc, sergent? Près du capitaine Fournier. Et où est le capitaine Fournier, sergent? Qu'est-ce qu'il y a, petit? Je pense à mon père. Il a peut-être été tué, lui aussi. Mais non, vous vous trompez, nous le retrouverons. Tim, voulez-vous m'en rendre un service? Mais oui, parfaitement. J'en étais certain. Mon cheval n'a pas bu aujourd'hui. Voulez-vous le mener à la rivière et le faire boire? Tout de suite. Merci, Tim. Les machines sont intactes, sergent, mais... les hommes? J'ai compris. Je vous demande pardon, Miss Nancy. Nous devons vous quitter. Très bien. Aimerais voir ce que je peux retrouver dans ma cabine. Tâchez donc de trouver un pic ou une bêche.
Oh, doucement. Je vais essayer de te soigner. Tu essayais d'atteindre la rivière. Tu as très soif? Voilà de l'eau. Bois tranquillement pendant que je soigne ta blessure. N'aie pas peur. Je vais te raccommoder la patte. Mon père m'a montré. Doucement. Tu ne sentiras rien du tout. Encore là. Je suis vraiment inquiète pourvu qu'il ne soit rien. Oh, il ne peut pas être bien loin. Hé, hey, Tim! Tim! Tim, êtes-vous? Doucement, petite. N'aie pas peur. Tim! Viens, Juju! Tim! Où êtes-vous? Et voilà, tu pourras marcher avec ça. Tim! Tim, où êtes-vous? Tim! Tim, vous n'entendiez donc pas? Qu'est-ce que vous faites là? Chut, pas si fort, vous allez l'effrayer. Tim, vous perdez la tête? Oh, mais pas du tout. C'est la panthère qui a sauté sur Gary Drake. S'il n'avait pas été occupé à se défendre, c'est nous qui l'avons. Elle nous a sauvé la vie. N'est-ce pas, ma beauté? Ne bougez pas. Je vais tirer. Non, ne tirez pas. Il n'y a pas de danger. La bête était blessée. Tim vient de la soigner. La soigner? Au revoir. Et maintenant, fais attention. Je te reverrai peut-être un jour. Du beau travail, Tim. Et qui demandait du cran? Je renvoie une partie des hommes à Magana par le bateau, Miss Nancy. Vous devriez en profiter. Merci, je n'y viens pas. Je suis venu ici pour forcer le fauve et j'ai l'intention de vous suivre jusqu'à Ambézie. Entendu. Et vous alors, jeune homme? Je ne reculerai pas, sergent. Je dois retrouver mon père. Bon, si bien qu'il faut encore que je me charge de vous deux. Est-ce qu'Ambézie est une ville? Non, ce n'est qu'un poste de frontière. Nous y serons bientôt. On dirait qu'il y a eu du grabuge qui est sur le brancard. Je n'en sais rien encore, mais je vais l'apprendre. Voilà le capitaine. Salut, sergent. Où est le détachement? En expédition sur la rivière, mon capitaine. C'est bien ma chance. J'ai besoin d'un homme s'il y a une révolte dans le district de Nyanza. Nyanza? C'est la région des gorilles, n'est-ce pas? Ah oui, et quels gorilles? Les plus grands de tout le pays. Des indigènes ont trouvé Jim Conivet. Il est si grièvement blessé qu'il n'a pas la force de parler. Il paraît que son convoi a été attaqué et tout l'ivoire volé. Qui est blessé? Comment s'appelle l'homme qui a été blessé? Jim Conivet, c'est un marchand d'ivoire. Merci. J'espérais qu'ils respecteraient l'accord. Ils ne l'ont pas fait. Il va falloir maintenant les y forcer. Partez immédiatement pour établir un camp dans la région. Oui, mon capitaine. Bagani. Oui, Buena. Cours jusqu'au poste et demande au sergent Foyer de te remettre une boîte de pansement. Vite. Oui, Buena. Pardon, docteur. Pourrais-je voir M. Conivet? Certainement pas. Mais je vous en prie, il faut que je sache. C'est important. Mais moi, je sais surtout qu'il a besoin de calme. N'insiste pas, petit. Patrouille à mes ordres. En selle. En avant.
Docteur. 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 Quelqu'un. Il n'y a donc personne ici. Docteur. 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 Où êtes-vous? Il n'y a donc personne pour me porter secours. Oh. Attendez un peu, ne bougez pas, monsieur Pennivet. Je vais vous donner à boire. Merci. Elle est de l'infirmier? Non, monsieur. Je m'appelle Tim Legrand. Non. Non, Renette. Vous n'êtes pas là-dedans. Mais vous connaissez ce nom? Non. Mais Gori, regarde! Gori, derrière toi! Monsieur Quenivet. Monsieur Quenivet, vous connaissez mon père? Où est-il? Est-il vivant? Répondez-moi. Regarde. Sauve-toi. Henri, garde-toi. Je vous avais pourtant bien défendu. Oh, vite, docteur, vite, il a besoin de vous. Oui, tais-tu, toi. Espèce de propre à rien. Dès que j'ai le dos tourné, tu abandonnes un grand blessé, hein. Allez, rentre là. Restez là, vous. Là. C'est bon, tu ne veux pas qu'on te remercie. À la prochaine fois. S'est échappé. J'étais avec la patrouille des Ivoires. Vous l'avez vu? La patrouille des Ivoires? La patrouille n'a rien à faire par ici. Pourquoi? Eh bien, des indigènes ont attaqué le convoi d'Ivoire de monsieur Quenivet. Des indigènes, dites-vous? Oh, ça, c'est impossible. Ne savez-vous donc pas que Quenivet est adoré de toutes les tribus d'Afrique? Eh bien, on l'a tout de même attaqué. Je l'ai vu au camp où il était soigné. Amani, Nyumaya! Vous pouvez tirer dans le tas.
corps ne servira à rien. J'ai le bras cassé. Mais si, je vais venir vous chercher. Et toi, apporte-moi une corde, vite. Pressez-vous, il n'y a plus la force de tenir. Passe-moi cette corde. Tiens ce bout-là. Non, Buena, non. Qu'est-ce que je te dis, descends-moi. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? C'est moi, Bim. Je vais vous apporter de l'eau fraîche tout de suite. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? C'est moi, Bim. Je vais vous apporter de l'eau fraîche tout de suite. Au secours! Au secours! N'en appelez pas ces hommes. Ils ne nous aideraient pas. Ils nous tueraient sans hésiter s'ils nous voyaient. Tuer? Pourquoi ça? C'est Spider-Web. Qu'est Spider-Web? Je n'en sais rien moi-même. Mais le sergent Gérard de la patrouille des Ivoires dit que c'est un redoutable bandit. Les gorilles ont fait du bon boulot, les porteurs ont fichu le camp. T'occupe pas des gorilles, occupe-toi de l'ivoire, allez. Sauve-toi, pendant qu'il en est encore temps. Tu ne veux plus rien pour moi. Je suis au bout de mon rouleau, sauve-toi. Non, je ne vous quitte pas. Que fais-tu, Spider? Sur quoi as-tu tiré? Sur une panthère. Mais je l'ai manqué. Regardez, c'est encore cette maudite patrouille. Hé, sergent! Sergent Gérard! Yep. Mais on marche pas. Est-ce qu'on n'a pas les canardés, sergent? On nous sera plus près. Par la descente, nous allons leur couper la route. Voilà la forêt vierge, il n'y a pas de passage, qu'est-ce qu'on fait? Tourne à droite. Mais c'est pas possible. Cette maudite patrouille nous coupe le chemin maintenant. N'occupe pas ça, avançons. Servir des grenades. Attends encore un peu, ça ne donnerait rien ici. Tiens, vas-y, maintenant lance où tu peux. On est bandits. Sergent. Inutile.
Ils ont réussi leur coup. Il vaut mieux retourner auprès de Tim. Il a peut-être besoin de notre aide. Demi-tour. Ce que je sais, c'est que Fang s'est amené juste à temps. Si elle n'était pas venue, le lion m'aurait tué. Mmh. Et tu crois vraiment que c'est par reconnaissance qu'elle a fait tout ça, hein? Pourquoi pas, c'est un peu signe. Eh bien, je le croirais quand je l'aurais vu. Tim, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous dirai ça plus tard, sergent. Pour l'instant, il faut nous occuper de M. Spencer. Il est grièvement blessé. Spencer? Tu parles du marchand d'ivoire? Oui. Les gorilles ont attaqué son convoi et il est tombé du haut des rochers. C'est donc ça, c'est lui qui a tiré des coups de feu. J'ai cru que c'était Spider-Web. Non, tout était terminé quand il est arrivé. Hé, hey, sergent, une troupe de nègres qui s'amène. Ça doit être ce qui reste des porteurs de M. Spencer. Tant mieux. J'en aurai besoin pour le transporter en Bézi. Fred, débrouille-toi pour une civière. Bien. Est-ce que vous retournez tous en Bézi, sergent? Non, pas tant que Spider-Web sera par ici. Quelques-uns seulement y vont avec Spencer. Tu partiras avec eux. Mais je ne veux pas, sergent. Mon père est dans cette région. Il faut que je le trouve. Monsieur Spencer m'a parlé d'un homme blanc qui vit avec la tribu des Batwanga. Et... cet homme ne peut pas être... est un illuminé qui essaie de soulever les tribus contre nous. Mais voyons, ce n'est pas possible, sergent. Je veux m'en assurer. Je ne veux pas te laisser courir de tels risques. Je te renvoie à Ambézi. Les Batwanga sont les pires nègres de toute l'Afrique. Et je souhaite de tout cœur que leur chef blanc ne soit pas ton père. Il faut que je sois sûr, sergent. Mais écoutez, si nous retrouvons mon père, il vous aidera à prendre Spider-Web. Comment, il le connaît donc? Je suppose, puisque c'est le tank de mon père que Spider-Web conduit. Oh, je comprends. Malheureusement, j'ai des ordres sévères que le capitaine Clark peut seul rapporter. Il faut retourner à Ambézi. Si vous mieux tournez bride, demi-tour vous autres. Et Tim! 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 Hey, Tim! 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 Où êtes-vous? Dès que nous avons constaté sa disparition, nous avons fouillé la brousse, capitaine. Mais nous n'avons rien retrouvé, ni lui, ni son cheval. Il n'a donc pas été attaqué par un pauvre? Non, je croirais plutôt qu'il a tenté d'atteindre la région Batwanga pour retrouver son père. Il avait parlé de ce projet au sergent Gérard. Espérons que c'est ça. Cet enfant montre du courage s'il ne craint pas de courir de tels risques. Mais fouiller la brousse à son âge est un sport dangereux, surtout dans la région des tribus Batwanga. Certainement, mon capitaine. C'est bon, je vous remercie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, Miss Lancy, vous êtes matinale. J'exerce mes talents, capitaine. Votre femme est-elle déjà levée? Certainement, entrez donc, et faites comme chez vous. Très bien, merci. Web? Spider-Web. D'avoir machiné cette attaque, mais il ne reste pas moins vrai qu'il en a profité. Rapport du capitaine Clark. Bonjour, docteur. Comment va votre malade? Beaucoup mieux, Miss Lancy. Grâce à vos excellents soins. Bonjour, monsieur Conivet. Oh, bonjour. Attendez, je vais vous aider. Merci. Ce n'est pas très commode de se raser avec une seule main. Monsieur Conivet, je sais qui a volé votre chargement d'ivoire après l'attaque. Vraiment? Qui est-ce? Spider-Web. Spider-Web? Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Mais je donnerais 10 ans de ma vie pour le voir de près. Oh! À quoi bon, je n'en suis pas moins ruiné. J'avais placé tout ce que je possédais dans cette affaire. Écoutez, monsieur Conivet, moi j'ai une proposition intéressante à vous faire. Vraiment? Mademoiselle? Lancy.
Je suis venu ici pour chasser le fauve. Mais le fauve que je veux traquer, c'est Spiderweb. Vous connaissez le pays, moi je possède l'argent et l'équipement nécessaire. À nous deux, nous pourrons nous emparer de Spiderweb. Mais attention, Spiderweb ne doit pas être tué. Je n'accepte pas votre proposition. Je veux tout de même pouvoir régler son compte à l'homme qui m'a ruiné. Mais pourquoi donc vous intéressez-vous à cette canaille? Mon frère a été condamné à 10 ans de prison pour un vol de diamants commis par Spiderweb. La seule chance qu'il me reste de l'en tirer, c'est d'arracher une confession à ce bandit. Dès que je l'aurai obtenu, je vous l'abandonnerai. Parfait. Quand partons-nous? Aussitôt que vous serez rétabli. Tu m'as pris sous ta protection, hein? Ce sera parfait si tu te montres toujours ainsi au bon moment. Alors, t'as pas été guéri? Écoute, si nous allions chercher notre dîner ensemble, mais attention, elle ne va pas prendre mon cheval pour du gibier au moins. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Amande, vite, vite! Thank you.
homme à cheval? C'est un soldat. C'est Tim? Tim le Grand. Tim, qu'est-ce que vous venez donc faire ici? Je vous le dirai plus tard, Miss Lancy. Les sauvages nous cernent. Il en arrive de partout, regardez. Batwonga! Batwonga, c'est la tribu la plus terrible de la Beauce. Il faut leur échapper. Au rocher! Arrêtez-vous dans le conflit! Tous les hommes, vite, il faut à tout prix les empêcher d'arriver au rocher, nous sommes perdus. Allez, butez, allez, butez. Si nous n'avions pas eu cet arbre, nous n'échappions pas aux lions. Eh bien, je crois que les lions ne reviendront pas de sitôt, mais ce sont les sauvages qui m'inquiètent. Les Batwonga sont tenaces. Leur chef blanc les excite contre nous. Il faut tout de même essayer quelque chose. Impossible de rien tenter à découvert. Pour l'instant, nous sommes protégés par les rochers. Pas grande chance d'en sortir, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on vienne à notre secours, et je ne vois pas qui pourrait venir. Mais si! La patrouille des Ivoires. Voyons, elle est au moins à 3 jours de marche. Pas du tout. Le sergent Gérard et ses hommes ont établi un camp tout près d'ici. Je peux les alerter? C'est impossible, Tim, il y a des Batwonga partout. Mais si, je trouverai bien le moyen de passer. Non, Tim. Ne vous en faites pas pour moi. Venez, nous allons nous mettre à l'abri là-haut. Balancer comme ça. Mais voyons, aidez-moi à me sortir de là. Certainement, mon ami. Ça va, Morand, descends-le. Hé, où vas-tu, mon garçon? Oh, écoutez, vous n'allez certainement pas me croire, mais je vous assure que la vie de beaucoup de gens dépend de moi. Et si je ne peux... Ah. Qui veux-tu donc rejoindre? Personne. Réponds-moi. Je te demande de qui tu parlais. Je refuse absolument de répondre, monsieur Drake. Tiens, il te connaît, Gary. Oui. C'est le garçon qui était avec mademoiselle Lancy quand la patrouille des Ivoires nous est tombée dessus. Mais alors, il porte peut-être un message pour la patrouille. Fouille-le, nous allons voir. Ah,
C'était bien ça, hein? Je vous en prie, ceci ne vous regarde pas. C'est une lettre de mon père. Alors, du calme, laisse-moi voir ça. Ça va bien, Lazare. Emmène-le donc. Nous allons le conduire à Spider. Mais Gary, peut-être qu'il vaut tout de même mieux ne pas le mener au marais. Fais ce que je t'ai dit. Fais-le monter dans le tank. Je l'espère, mais elle fera bien de se dépêcher. Sans ça, elle va arriver trop tard. Écoutez, il y a coup de feu. C'est de ce côté-là, sergent. Oui, au galop. Maintenant, il va y avoir du sport. Sergent, où avez-vous laissé Tim? Tim? Je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas lui qui vous envoie? Non, j'ai entendu tirer des coups de feu. Il lui est arrivé malheur. Au sergent, il faut absolument le retrouver. Par où est-il parti? Il est parti pour votre camp par cette piste. C'est étrange que nous l'ayons manqué. Je vais me mettre à sa recherche. Je vous laisse mes hommes pour vous protéger au cas où les Batwanga vous attaqueraient de nouveau, on ne sait jamais. Hé, hey Morgan! Oui, sergent. Ramenez les chevaux. J'emmène Berry, il vient avec moi pour rechercher Tim. Dès que vous aurez rassemblé les porteurs, filez au camp. Bien, sergent. Ne vous tracassez pas pour Tim, nous le retrouverons. En route, Berry. Vas-y, Lazare. Je vais te porter, mon garçon. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! Mais il vaut mieux que je te porte. On est dans le coin des sables mouvants, ici. Écoute-moi, fais bien attention de ne pas me faire perdre l'équilibre. Si je tombe, tu tombes aussi. Et alors, nous serons bien fichus. Tâche de regarder où tu marches, Lazare. Ce gosse vaut son pesant d'or. Si quelque chose lui arrivait, tu aurais affaire à Spider. Ah, tu vois, il faut faire très attention, hein. Salut, les gars. Salut, Gary. Qu'est-ce que c'est, un prisonnier? Qui est-ce? Ça ne regarde que moi, Brent. Enlève-lui son bandeau. Et puis surtout, ferme ton bec, Lazare. T'es devenu fou, Drake? Pourquoi as-tu amené ce gosse ici? Attends un peu. J'ai quelque chose à te montrer. Alors, entrons. Qu'est-ce que c'est? Une lettre que nous avons trouvée sur lui, Spider. Écoute. En serre, Tim. Je me trouve actuellement au cœur de la région des Gorilles et cette lettre sera portée par un coureur indigène jusqu'à Magana. Allez, allez, arrive au fait. Très bien. Mais au lieu de trouver des gorilles, c'est un éléphant blessé à mort que j'ai vu. Il venait mourir là.
et j'ai compris que tout ce que j'avais entendu raconter au sujet des cimetières d'éléphants était exact. J'avais sous les yeux des milliers de squelettes d'éléphants. Ce doit être un cimetière très ancien. La terre est jonchée de défenses. Il y en a pour des millions de francs. Où se trouve ton père, petit? Vous le savez, puisque vous avez le croiseur de la brousse. Le croiseur de la brousse? Oh, tu parles du tank blindé? Mais je ne savais pas qu'il appartenait à ton père. Nous l'avons trouvé abandonné dans la brousse. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Vous êtes ignoble menteur. Vous l'avez volé, c'est ça qui est vrai. Tu as tort de le prendre sur ce ton, mon petit. Tu devrais nous croire. Nous sommes prêts à secourir ton père. Pour qu'il vous indique où se trouve le cimetière des éléphants, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous. Je le trouverai tout seul. Je suis navré, mais je n'ai pas l'intention de te laisser partir. Non? Je ne te conseillerais même pas d'essayer de nous brûler la politesse. Le marais est dangereux pour qui ne le connaît pas. Tu n'en sortirais pas vivant. Lazare! Viens avec moi. Lazare! Me lâchez. Écoute. Amène ce garçon avec toi et n'oublie pas que tu réponds de lui. Je l'aurai à l'œil, y a pas de danger. Dis aussi à Mogou de venir me trouver. J'y vais tout de suite. Suis-moi. Des millions de francs. Des millions à portée de la main. Quel dommage tout de même de ne pas l'avoir su quand nous avons volé le tank au vieux Legrand. Nous ne pouvions pas le savoir, Spider. Impossible de deviner qu'il avait découvert ce cimetière d'éléphants. Heureusement, en tout cas, Gary, que je ne l'ai pas tué. Rien n'est perdu. Tu supposes qu'il est toujours en vie? Nous le saurons bientôt. Entre, Mogou. Oui, maître. Comment retrouverais-tu un homme dans la brousse, Mogou? Je ferai parler tam-tam, maître. Peux-tu retrouver un homme blanc? Dans grande forêt, il y a œil derrière chaque feuille. Œil voit tout. S'il y a homme blanc, tam-tam dira. Bien. Envoie ce message pour moi. Dis à l'homme blanc qui parle avec les gorilles que son fils est à sa recherche. Moi, apporte message pour grand sorcier blanc. Un message? Pour moi? Tam-tam dit homme blanc qui parle avec Gori, ton fils te cherche, toi. Mon fils? Il est dans la brousse? Tam-tam dit ton fils, il est rocher du diable sous chute de Mafala. Mais mon fils ne peut pas être par ici. Je lui ai écrit de ne pas venir. Il y a 2 mois que je t'ai donné la dernière lettre que tu as fait porter à la côte. Coureur jamais revenu. Message est perdu. Je pars tout de suite. Guerriers partiront avec Docteur Blanc. Non, ce n'est pas nécessaire. 2 ou 3 me suffiront en cas de danger. Regardez. C'est un de nos chevaux, sergent. On dirait celui que montait Tim Legrand. C'est bien le sien.
n'a pas été attaqué par un fauve. Le cheval ne porte pas de traces de griffes. Écoutez, un moteur. Un moteur. 3 heures de la pousse. Devine ce qui s'est passé. Vous voyez que Tim est dans le croiseur? Venez. C'est de la folie, sergent. Il va beaucoup plus vite que nous. Et puis, il est blindé. Nous ne pourrons rien contre lui. Ils ne sont pas sur leur garde. Nous pouvons les surprendre. Nous retrouverons le cheval tout à l'heure. Bien, Mogou, tiens-toi près du rocher du diable et attends. Bien du diable mauvais pour mon peuple, Bwana. Mogou, pas vouloir aller. Tu dois m'obéir. Tu es le seul que le vieux Legrand ne connaisse pas. Avance. Oui, Bwana. Que tous les autres rentrent dans la brousse. Le professeur peut arriver dans un instant. Vous apercevez quelque chose, sergent? Oui. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de manigancer. Ils sont cachés dans la brousse. Tous sauf un gros nègre qui attend près du rocher, en dessous des chutes. Est-ce que vous voyez Tim? S'il est là, il est dans le croiseur. C'est toi qui as lancé le message pour l'homme blanc? Oui, voilà. Moi, Mogou, Tribu, Awali. Où est mon fils? Lui, malade. Croiseur de la brousse. Mogou, montré à toi. Conduis-moi vite. Oui, voilà. Ranta et Segal. Spider-Way. Bonjour, professeur. Éloigne-les. Ngaya. C'est vous qui avez envoyé le message? Comme ça, le tour est joué. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? On leur tombe dessus? Non. Retournez aux chevaux et attendez-moi. Allez donc! Où est mon fils? Que lui avez-vous fait? Ne vous inquiétez pas de lui, professeur. Il est en bonne santé. Et dès que vous nous aurez menés au cimetière des éléphants, votre fils vous sera rendu. Je ne vous y conduirai pas. Pas avant d'avoir vu mon fils de mes propres yeux. Mais cela me semble très raisonnable, professeur. Amenez-vous, on retourne au marais avec lui. Il est prisonnier dans le marais de Lugambi, vous connaissez bien l'endroit. Allez vite chercher les autres et rendez-vous là-bas. Qu'est-ce que vous comptez faire? Suivre le croiseur pour savoir enfin où il se trouve.